il y a des éléments qui sont purement objectifs. On est capable de dire, à partir de certains éléments, de composition, de lumière, de positionnement du sujet ou de langage du corps si c'est un personnage, qui font qu'une photo est meilleure qu'une autre. Et pourtant, il y a aussi un élément qui est insaisissable, qui est même totalement indescriptible. On peut mettre des mots dessus, mais c'est très difficile à saisir avec des mots ou à comprendre. Et c'est ce que Suzanne Meslas appelle le point de connexion émotionnelle. Ça va nous parler. Alors, il y a des éléments de symbolique, ce que représente la photo, ce que contient la photo. Et en fonction de notre culture, on est plus ou moins sensible à des éléments de symbolique. Et puis, il y a aussi notre personnalité ou voilà, et quelque chose qui nous touche spécifiquement. C'est ce que Roland Barthes appelle le punctum, ce qui me point. Plus vous allez travailler, plus il faudra aller sur des choses qu'on ressent et s'affranchir des conventions. Mais de toujours revenir à quelque chose de très émotionnel dans sa pratique et également à l'édition. Est-ce qu'il faut analyser tout ça quand on est dans la rue? C'est impossible. Mon conseil, c'est surtout si vous débutez en photographie rue, commencez par l'intuitif. Commencez par observer, regarder, marcher, aller voir des choses. Et puis, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, prenez-le tout de suite en photo. Sans penser au cadre, sans penser à la composition, même à la technique. Utilisez des réglages automatiques et prenez d'abord, saisissez ce que vous avez vu. Et ensuite, on rentre dans une phase un petit peu plus analytique. Qu'est-ce qui se passe? Qui est la personne qui m'intéresse? Qui est en train de partir? Faut que je le suive? Ou est-ce que c'est le cadre que j'ai trouvé joli, la lumière? J'attends qu'il y ait autre chose qui se passe. On rentre dans quelque chose d'un petit peu plus analytique dans la pratique. Mais les moments passent vite. Le bon moment passe vite. La bonne attitude du visage ou d'une scène, c'est extrêmement furtif. Et donc, on ne peut pas être analytique. Il faut garder cette intuition et même se laisser porter par ce qu'on ressent sans rien analyser et y aller. En revanche, quand on édite ses photos, là, on rentre dans l'analyse. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Quel est l'équilibre de la photo? Regardez les éléments qui sont dans les coins. Est-ce qu'il y a des éléments qui perturbent la lecture de la photo? Donc là, ça devient très analytique. Et c'est là que le travail sur l'ordinateur, chambre noire à l'époque, a son effet. Hein, l'analytique devient utile dans la rue, mais uniquement à l'intuition, parce que on sent mieux les choses si on a bien travaillé avant. Les bonnes photos dans la rue, on en trouve beaucoup moins. En réalité, c'est partout. C'est très difficile de trouver une bonne photo. Si on en a une de bonne sur une journée de photographie de rue, c'est bien. Mais en réalité, au fil du temps, vous vous rendrez compte que si on en a une de bonne dans le mois, quand je dis une de bonne, c'est une qu'on garde longtemps, qu'on a envie de revoir, qui est exceptionnelle, qui a cette intensité. C'est James Joyce qui parle de cet arrêt esthétique. C'est esthétique, donc il y a des éléments formels qui participent à ça, et c'est un arrêt esthétique parce que c'est... Oh. Et au final, au fil du temps, c'est très rare. C'est très rare. Par la pratique, avec des années de pratique, on est dehors, surtout pour faire des photos mauvaises, en fait. Pour espérer, de temps en temps, parce que ça s'est bien mis en place, et parce qu'on a bien bossé aussi, et parce qu'on l'a cherché. Mais c'est rare, une bonne photo. Mais la frustration, elle est nécessaire. C'est cette frustration qui devient une exigence, et qui permet d'aller chercher encore une meilleure photo.